Bonsoir, le temps était instable à Lyon avec quelques éclaircies mais aussi des averses et pas mal de vent également. Il faisait encore doux cet après-midi avec 10 degrés. Demain, ce sera le même programme. En revanche, les températures vont bien baisser pour rejoindre les valeurs de saison avec 7 degrés. Les conditions seront encore agitées. Le vent va encore souffler fort mais cette fois-ci, c'est dans le sud-ouest du golfe de Gascogne au pied des Pyrénées où l'on attend de violentes rafales de vent. Les Alpes du Nord sont placées en vigilance orange pour neige, verglas et du côté de la Corse, attention aux fortes vagues sur le sud de l'île et le Var. Alors après le passage de la dépression Gérard, une nouvelle dépression baptisée Fienne circulera sur le pays. Quant aux températures, elles seront encore en légère baisse. Il fera moins 2 à Lille, 2 à Paris, 6 à Bordeaux ou Montpellier et 10 degrés à Ajaccio. En matinée, l'ambiance sera fortement nuageuse avec des précipitations souvent soutenues sur la moitié sud sous forme de neige en montagne. Ces pluies seront plus faibles en remontant vers le bassin parisien et les côtes de la Manche, mais on ne peut pas exclure quelques flocons par moment. Quant au vent, il soufflera très fort de la côte atlantique au midi toulousain et jusqu'au Languedoc-Roussillon. L'après-midi, le temps sera encore perturbé avec de fréquentes précipitations et même soutenues dans le sud-ouest. Il neigera à plus basse altitude sur les reliefs. Et puis attention, le vent va se renforcer en Méditerranée avec de belles périodes de soleil. Les températures seront toujours en baisse et nous passerons en dessous des moyennes de saison. Nous attendons demain après-midi 1 degré à Rouen, 2 à Paris, 6 à Lyon et 13 en Corse. Le mercure baissera encore avec le retour des gelées nocturnes. Mercredi, c'est donc un temps froid et instable qui dominera sur le pays avec des giboulées de neige, sans doute jusqu'en plaine sur l'est et le centre du pays. Jeudi, il fera froid avec encore quelques giboulées de neige sur l'est, mais une amélioration sera possible grâce à l'arrivée de l'anticyclone des Açores. Vendredi, nous passons sous des conditions anticycloniques avec le retour du soleil. Mistral et Tramontane souffleront en rafale près de la Méditerranée. De fortes gelées nocturnes seront à prévoir. Ensuite, le soleil devrait s'imposer au sud, alors qu'au nord, la grisaille pourrait peu à peu gagner du terrain. Les températures resteront assez froides. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6meteo.fr. Ce soir, Patron Incognito nous embarque dans les coulisses du leader de la livraison à domicile. Très belle soirée à tous sur M6.